Aujourd'hui, je fabrique un chargeur de téléphone qui fabrique sa propre électricité. Je vais utiliser ce petit module blanc, c'est un module Peltier. Il sert dans l'espace pour créer de l'électricité grâce à une différence de température. Avec ce multimètre, on va tester l'électricité qu'il en sort. Pour créer notre électricité, il va falloir refroidir un côté et réchauffer l'autre. Pour cela, je mets un glaçon d'un côté et c'est ma main qui fera office de chauffage pour l'autre côté. Ça crée de l'électricité mais qui varie un peu trop. Pour stabiliser tout ça, on va utiliser un chargeur allume-cigare. Lui, il prend n'importe quel courant et il le stabilise à 5 volts pour charger le téléphone portable, par exemple. J'ai juste à souder les deux fils du module Peltier aux broches métalliques de notre chargeur allume-cigare. On va pouvoir créer de l'électricité sans en consommer, tout simplement parce qu'on va prendre la chaleur de l'extérieur. Il fait très froid en ce moment et donc nos vitres sont très froides, alors qu'à l'intérieur il y a déjà de la chaleur de notre radiateur. Donc la différence de température on l'a, il n'y a plus qu'à fixer le système sur une vitre et on teste le tout. C'est parti pour brancher un chargeur. Je mets mon téléphone à charger et est-ce que ça charge? Yes, ça marche. Et pour rester curieux tous les jours, abonnez-vous.